C'est un vieux rêve. J'ai toujours voulu faire autre chose en plus de mon métier d'actrice. Alors, je ne savais pas exactement si ça allait être de la réalisation. Je le rêvais, j'en rêvais, mais je n'étais pas certaine d'être capable de le faire. Je voulais écrire, je voulais produire. Et il y a 3 ans, bientôt 4 ans, j'ai initié un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Et dans le sillage du livre, j'avais le projet de réaliser un film pour aller au-delà des témoignages. Et j'ai co-réalisé le film Regard noir avec Isabelle Simeoni. Et c'est à la même période, à la période donc de la sortie du livre Noir n'est pas mon métier, qu'un producteur qui s'appelle Yves Darondeau m'a proposé de réaliser un film qui parle de la question du réchauffement climatique et du manque d'eau en Afrique de l'Ouest. Oui, certainement. J'avais envie de me focaliser sur une jeune fille qui est propulsée à la tête de sa famille. Elle s'appelle Houlaï, elle a 14 ans. Et à partir de son regard, donner à voir ce qu'est la réalité quotidienne de sa famille, de sa communauté villageoise. Et j'avais le sentiment qu'en racontant une histoire particulière, on allait pouvoir raconter quelque chose de plus grand, quelque chose qui donne une voix et des visages à la réalité du réchauffement climatique vu depuis le continent africain. Et je voulais aussi filmer ça à hauteur d'être humain, proposer un film d'immersion dans lequel on a l'impression d'être quasiment avec ces gens, un film qui crée de l'empathie pour permettre à tous les spectateurs, que ce soit en Occident ou sur le continent africain. Le film a été montré au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali. Et dans les capitales de ces pays, les gens ne vivent pas cette réalité-là. Donc ils étaient très frappés également. Ce film, il s'adresse à différents publics sur différents territoires. Je ne suis pas du tout une experte de la question du climat. Je ne savais pas exactement par quel bout prendre cette histoire. Et si je n'avais pas eu une connexion très forte avec ce sujet, je n'y serais pas allée. Et la connexion principalement, c'était la question de l'éclatement de la cellule familiale à partir de la question du réchauffement climatique, qui pour nous, en Occident, peut paraître parfois un tout petit peu abstraite, mais qui dans d'autres endroits est accélérée, notamment dans le Sahel, et se pose de façon très difficile dans le quotidien de certaines populations.